Coucou tout le monde, oui, j'espère que vous avez passé une très belle après-midi. Ici, il fait un temps, mais c'est une catastrophe. Hein. Il pleut, il pleut, il pleut. Bon, ça d'accord, mais il fait froid et tout. Enfin, c'est l'hiver. Si, c'est l'hiver. Si. J'ai même des abonnés qui m'ont envoyé des photos. Il neige, carrément, il neige. Bon, bref. Il fait froid, quoi. Ben, on n'est qu'au mois de mars. Je sais bien, on n'est qu'au mois de mars. Bon, alors donc, parce que j'ai quand même pris pas mal de temps cet après-midi, j'ai rien rangé. Maintenant, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai fait donc un tuto pour l'automobile, hein, la voiture, l'automobile. Alors, j'espère que, ben, que ça ira, que ça vous plaira, parce que c'est quand même assez fastidieux. C'est pas difficile à faire, mais c'est long, etc. D'accord? Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je voulais vous montrer la mienne terminée. J'ai fermé la vidéo là, je l'ai envoyée là, donc elle est passée. Et j'ai pas fini de décorer avec vous parce que franchement, ça prend beaucoup de temps, hein, beaucoup beaucoup. Donc du coup là, je voulais vous montrer ma petite automobile à moi, la petite automobile des scrappeurs du cœur terminée. Hein, si. Alors si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, et après je vous montrerai quelque chose. Si, ben, si un petit tuyau pour ceux qui savent pas faire. Et je leur ai promis que je leur montrerai, et je leur expliquerai. Donc je vais leur expliquer comment imprimer uniquement les pages qui les intéressent sur quand ils veulent imprimer quelque chose, quand je vous partage les sentiments, les machins, les images et tout ça, pour que vous n'imprimiez que ce qui vous intéresse, hein, d'accord? Bah, parce que sinon ça use de l'encre, ça use machin, enfin ça sert à rien, hein, d'accord? Ok. Allez, je vous montre ma petite auto. Bah, si j'en suis fière, elle est très belle. Bah, si, elle est très belle. Alors donc pour ce faire, donc voilà. Alors j'ai fait l'immatriculation un hein, VC un caca. Ouais, je sais, on va au fessé pour faire un caca. J'ai droit quand même. J'ai fait l'immatriculation que je veux. Bah si, quand même. Alors, donc, voilà, j'ai fait juste ça. J'ai pas mis de lumière, j'ai pas mis de phare et tout ça, moi. J'ai le droit. De toute façon, je roule que 2 jours. J'aime pas rouler la nuit, j'ai peur. Si. Si. Alors, donc, j'ai fait comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai donc. Alors, les roues, vous voyez, j'ai quand même mis des jantes alu, j'ai fait un petit rond d'aluminium parce que c'est quand même, ça fait quand même plus fini. Alors, vous avez à l'intérieur, vous avez bien scotché, oui, je sais. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu Walligan, mais franchement, si vous avez bien scotché à l'intérieur et tout ça, ça tient super bien, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc, moi, j'ai rajouté du chrome sur les roues. Évidemment, j'ai fait l'immatriculation devant derrière, hein. Bah si, parce que devant derrière, bah devant c'est pipi, derrière c'est caca, mais c'est la même immatriculation devant que derrière. WC un caca, aller au WC pour faire un caca, c'est tout. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai mis le petit rétroviseur, mais ça je crois que je l'ai fait avec vous. Vous savez, on a fait un vrai pare-brise avec du rhodoïde et dans la doublure j'ai coincé un petit rétroviseur que j'ai rajouté avec une petite patte, mais ça je crois que je l'ai fait avec vous. Et j'ai fait 2 rétroviseurs comme ça avec du papier miroir, hein. J'ai collé du papier miroir sur le même papier de ma carrosserie, hein, et donc de chaque côté j'ai mis un rétroviseur. Voilà, j'ai mis un grand volant, mais ça c'est pour rigoler. Si vous voulez faire un petit volant, vous faites un petit volant évidemment. Vous pourriez même le mettre sur un pied, hein, vous pouvez faire un pied, faites tout ce que vous voulez, amusez-vous, hein. Vous pouvez mettre un tube, genre une paille, vous collez une paille avec de la colle chaude et puis vous mettez le volant accroché dessus. Moi je l'ai accroché directement là, vous faites. Vous pourriez faire un tableau de bord, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faites la voiture de vos rêves, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Évidemment, j'ai rajouté les symboles d'Engie, c'est-à-dire, il y a la marguerite, donc vous reconnaîtrez ce que vous m'offrez. Il y a la marguerite, évidemment. Il y a les cœurs, puisque j'ai fait des appuis-têtes. Hein, j'ai fait, alors, je vous montrerai après. J'ai le papillon, bien évidemment, toujours, le papillon, le cœur, la marguerite. Ça, c'est obligatoire, c'est ma signature. Ensuite, donc j'ai fait une capote. Ouais, j'ai fait une capote. Là, je vous ai montré comment faire. Donc on avait collé ensemble. Donc ben, je l'ai installé. Tout simplement, je l'ai posé sur ma voiture. Ok, d'accord. Et donc derrière, j'ai caché pour cacher le passage de roue et tout ça là. Voilà, j'ai juste remis un papier. Mais vous ne prenez pas la tête. Hein, vous prenez une feuille de 14, de 16 là. Hein, et puis vous pliez à 8. Et puis vous, hop, hop, vous faites ça. Et puis vous. Puis voilà, ça y est, c'est caché. Hein. C'est vraiment facile à faire. Et puis j'ai fait des sièges avant pour que Miss Tinguette, là, elle puisse, ben,
conduire, hein, parce que c'est elle qui conduit quand même, hein, si elle conduit, si elle conduit. Et donc j'ai fait des ceintures de sécurité, voilà, j'ai mis un petit ruban noir et ça fait des ceintures de sécurité, voilà, bah, si c'était tout mignon. Moi, elle me plaît beaucoup, c'est la voiture des scrappeurs du cœur, et puis ils appuient tête en cœur hein, avec du papier love. Qu'est-ce que... Et c'est tout, je crois, c'est tout. Voilà ma petite voiture terminée et ça sera donc notre voiture. Ah oui, puis derrière, j'ai mis évidemment les scrappeurs du cœur forever. Si, forever, si. En tout cas, on espère. Hein. En tout cas, on fera tout pour. Voilà, j'espère que ma petite auto à moi terminée vous plaît. Et puis surtout, si vous réalisez ce tuto et que vous vous amusez à faire des voitures, ben merci de partager parce que ça me ferait plaisir que vous partagiez cette automobile-là. Hein. Et puis, vous pouvez la faire, vous amuser à volonté, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour s'amuser. Hein, j'ai pas fait le petit sapin qui pend là. Bah non, parce que non, je trouvais que voilà. Mais on pourrait faire le petit sapin qui pend. Si, ouais. Je vais peut-être faire un petit capteur de rêve. Vous savez, un mini capteur de rêve que je vais faire pendre là. Je ferai des petites finitions de décoration peut-être. Mais là, pour moi, elle est terminée. Voilà, hein, juste un petit capteur de rêve qui pend. Ou un petit sapin, voilà. Alors ça, c'était pour ça. Maintenant, vous voyez, c'est vraiment une mini vidéo. Je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir quelque chose à la... Je prends mon ordinateur, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il est allumé, cet ordinateur? Voilà. Alors, donc, admettons. C'est, pourquoi c'est ouvert, ça? Alors, je fais annuler, là. Alors, bougez pas. Ah, ben, c'est pas... Ah, c'est ça! C'est pas branché. Non, alors, ouais, je sais. Alors, donc, je fais annuler là. Alors, admettons, vous savez, je vous envoie des liens, machin, vous cliquez dessus. Déjà, il faut que j'autorise, hein, d'accord, okay. Enfin, bref. Et alors, donc, vous avez, là, par exemple, j'ai fait n'importe quoi. J'ai ouvert les images coloriage. Ok, bon, ça, c'est des pubs, hein, ça m'énerve. Alors, images coloriage, exemple, peu importe. Et dans ces images coloriage, il y a 5 pages. Alors, vous voyez rien, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est pas très grave si vous voyez pas, je vais vous expliquer. Parce que tous les ordinateurs et tous les imprimantes sont différentes, mais il y a le nombre de pages. Vous voyez, là, ça s'affiche 5, et là, je suis sur la 2 sur 5. Mais je remonte, alors bougez pas, enfin bougez pas, si, faites ce que vous voulez. Voilà, il y a 5 pages. Donc, la première page, il n'y a que ça, vous voyez, c'est embêtant, parce que j'aurais pu en mettre plus, mais je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah, j'ai fait ce que je peux. Si! Donc, page 1... Et on défile, on descend. Là, c'est la page 2, c'est les chats. La page 3, c'est les têtes de mort. Hein. Et la page 4, c'est les petits machins sous la pluie, les petites poupettes. Et la 5, bah, c'est ça. D'accord? Voilà. Vous voyez, ça, quand vous descendez, ça défile le nombre de pages là. Et vous savez que, par exemple, cette page-là, où il y a les têtes de mort et les chats, enfin, où il y a, ouais, les têtes de mort et les chats, c'est la page 3, admettons. Hein, c'est ça. Admettons, ça, c'est la page 3, les têtes de mort. Et que les chats, là, c'est la page 2. Vous voulez pas, hein, moi, admettons, vous voulez la page 2. Voilà, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous voulez imprimer. Alors, quand vous allez imprimer, ça va vous dire tout est coché. Le truc, tout est coché, là. Bon, on veut pas tout, nous. Alors, déjà, ça vous met le nombre de feuilles de papier qu'il y a, toujours. Hein, là, il y a 5 feuilles. Le nom de votre imprimante, bon, là. Le nombre d'exemplaires que vous voulez de pages. Si vous voulez 10 pages de ce qu'on va imprimer, là, bah, vous faites 10, hein, vous tapez le nombre. Et ensuite, portrait ou paysage, bon, bah, ça, portrait, bon, bah, portrait, paysage, bon, bref, vous savez ça. Et ensuite, en dessous, page, tout, il est coché systématiquement. Alors, après, moi, j'ai page impair, page pair, bon, ça, n'importe quoi, on s'en fout de ça, enfin, je sais pas, ça peut servir pour je sais pas quoi, ça, mais bon. Et donc, là, la dernière, c'est, par exemple, 1-5, 8, 11, 13. Ah oui, alors, on coche ça. On coche et là, on marque la page qui nous intéresse. Alors, moi, je veux que la page 2, je veux que les chats, c'est mon droit. Donc, je mets 2, voilà, et ça, hop, ça me met la page que ça va m'imprimer. Vous voyez, 2, ça va m'imprimer cette page-là. Donc, comme ça, je suis sûre que c'est bien celle-là que je vais avoir. Et ça me met que celle-là. Et, par exemple, voilà, et là, je vais faire imprimer. Alors, attendez, parce que je vais être obligée de vous laisser... Enfin, il faut que je rebranche sur mon imprimante parce que je ne suis pas en Wi-Fi, je ne suis pas en tout ça. Alors, je vais cliquer sur imprimer. Voilà, je reviens. Alors, je mets ça comme ça, je vais brancher. Et donc, vous allez voir, j'en sais rien, ce que vous allez voir, est-ce que ça va fonctionner. Et je trouve pas le trou, au secours. Hop, et donc là, ça va normalement m'imprimer. Voilà, c'est parti, vous entendez le bruit? Je sais pas si vous entendez.
voilà, et là ça m'a imprimé que ma page 2. Ok, admettons, je reviens, dernier exemple, et après comme ça vous saurez. Maintenant, je dis, je veux imprimer. Alors, ah bah oui, il faut que je rebranche ma souris. Hein. Je suis rien, en, moi je, tout est branché. Hein. Bah si, je préfère les branchements. Bon. Alors, là, je veux imprimer autre chose. Je veux imprimer, par exemple, la page. Alors, toujours pareil. Alors, nombre de quantités, si j'avais voulu 10 pages de chat, j'aurais fait 10. Et puis après, page 2, hein, j'aurais eu 10 pages de chat. Ok, d'accord. En même temps, je dis, donc, toujours, je choisis mes pages. Et je veux la page, je veux la page 2 et 3. Alors, 2 et 4. Enfin, 2. Alors, je mets 2. Je veux la page 2. Je vais mettre la page. On va changer, comme ça j'aurai d'autres choses. Bah, si. Je vais mettre la page 1. La page 1. Donc ça va me mettre. Regardez. Ça me met ce que je vais avoir. Hein, vous avez beau, hein. Ça va me mettre cette page-là. De page 1, tirer du 6, 3. Et j'aurai la page de 1 à 3. Et je fais 3. Et ça va, et ça vous affiche toujours ce que vous aurez. Vous aurez ça, ça et ça. D'accord ? Je pourrais mettre, vous avez compris, hein, je ne veux pas la page 4 et 5, c'est mon droit quand même. Donc je fais 1 tiré de, si j'avais voulu de la page 2 à 5, j'aurais fait 2 tiré du 6, 5. Et là, je fais imprimer. Alors je me rebranche, désolée. C'est vraiment pour, parce que c'est important, c'est vachement important. Ça évite de, ben déjà, vous savez, quand il y a des trucs avec plein de couleurs. Ou donc là c'est parti, hein, ça a enregistré ce que j'ai. Et quand il y a des choses avec plein de couleurs ou alors des choses qui nous intéressent pas, hein, tout nous intéresse pas. Puis même on peut pas, chaque fois qu'on veut imprimer un truc, si on veut imprimer que des sentiments, on est en rupture de sentiments, on veut en réimprimer que la page des sentiments, ben on réimprime que la page des sentiments, hein, d'accord. Ben si, c'est important de savoir se servir de ça, c'est vraiment très important. J'espère que ça vous rendra service et ça me fait plaisir de vous montrer, hein, pour tous ceux qui savent pas, parce que ben c'est comme je dis toujours, avant de savoir, on sait pas. Et puis il n'y a rien qui est inné, tout s'apprend, hein. Moi j'ai appris et je transmets ce que j'ai appris. Et puis c'est tout, c'est important, hein. Si c'est important. Parce que les formations, l'informatique, il y a des choses que, si, ça s'apprend. Donc voilà, j'ai mes trois pages, vous voyez, ça m'a sorti ma petite poupée, ça m'a sorti mes chats machins, et donc forcément mes têtes de mort. Bah, si têtes de mort, moi têtes de mort. Alors, vous avez compris, hein, que c'est, voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, moi j'adore ma petite voiture, bah si, moi... Donc, je vous souhaite vraiment une très belle soirée. Bon courage pour tous ceux qui reprennent le boulot demain. Ben, si, hein, parce que c'était dimanche, mais le dimanche, ça ne dure pas non plus toute la vie, le dimanche. Hein, là. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Je fais plein de gros bisous à tous ceux qui sont pas bien. Parce que j'ai des gens qui rentrent à l'hôpital le 15 et tout ça, mais j'y pense. Et voilà. Et puis, je n'avais pas d'anniversaire aujourd'hui. Pas d'anniversaire, j'ai rien du tout. Ben, si, c'est la loose. Si, c'est... C'est la loose. Ouais, je sais. Et donc, bah, c'est tout. Hein, voilà, on va se quitter comme ça. On a, hein, si, on a bien travaillé aujourd'hui. Si, on a bien. J'ai rien rangé, mais on a bien travaillé. On avance, on apprend des choses, on fait des choses. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout.